Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Et sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous reviens pour un petit haul. Action. J'ai fait quelques petites templates parce qu'il fallait 2-3 petites choses. Donc du coup, je vous montre tout ça. Je filme, on est vendredi, donc c'est le dernier jour de boulot de Nat. Vous aurez la vidéo le dimanche et après, donc il est en vacances. La semaine prochaine, je ne sais pas ce que je vous mettrai parce que toute la semaine, on a entrepris en fait. On va changer ma pièce qui est mon dressing de base depuis qu'on habite à la maison. Et en fait, on a décidé de changer avec la pièce des collections. Je vous ferai peut-être un room tour, je sais pas, ou j'ai les produits finis aussi à faire. Donc vous verrez bien ce que vous aurez dimanche prochain. Sans plus tarder, on va commencer. Donc tout d'abord, à 1,95€, j'ai pris des classeurs comme ceci, puisqu'ils ont mis pour la rentrée. Alors ce n'est pas absolument pas pour Emma, hein. C'est pour les cartes Pokémon. Là ils sont gros, ils sont pas chers. Et là je vais pouvoir mettre plusieurs séries dedans parce que des classeurs normaux, pas gros comme ça, je peux mettre quand elles sont vraiment bien fournies, quand on en a beaucoup, 2 voire 3 séries grand maximum. Là je pourrais en mettre un petit peu plus. Donc il y avait blanc, j'ai pris rose, il y avait violet, noir et après je sais plus. Voilà, 1,95€. Ensuite, j'en avais déjà acheté et j'en ai repris 2, sachant qu'en plus, il me semble qu'ils étaient en promo cette fois-ci. 1,59€. Ouais, je pense que c'est 1,99€. Donc, j'ai repris des pistolets à eau pour cet été, puisque j'en avais acheté que 2. Et du coup, il y en avait un qui se retrouvait sans. Et du coup, mon homme attaquait carrément au seau d'eau. Donc du coup, j'ai dit non, je vais aller racheter des pistolets quand même comme ça. Non, parce qu'évidemment, qui c'est qui a pris? Devinez, c'est moi. J'étais en short, en jean, je vous dis pas quoi après. Je marchais en canard, quoi. Bref. Voilà, voilà, donc comme je vous ai dit, 1,59€, ça c'était donc, j'y suis allée le mardi, donc c'était la promo de la semaine d'avant. Voilà, voilà. Ensuite, Emma, pour la rentrée, il lui faut cette fois-ci un stylo plume. Donc j'ai pris de la marque Peppermate, qui est une très très bonne marque. Il marque plume robuste pour les débutants, donc c'est pour ça aussi que je l'ai acheté. Il y en avait d'autres marques, mais comme il marquait là que c'était débutant et que Emma n'a jamais encore écrit au stylo plume, que d'ailleurs voilà, apparemment c'est une obligation, moi, j'ai jamais été obligée. J'ai dit moi je me souviens que si au primaire, alors après non, dans les grandes classes, collège, lycée non, mais au primaire à partir de, je sais même pas si c'était pas le CP, mais au moins le CE1, il fallait que j'écrive avec un stylo plume. Donc voilà, il y a 6 cartouches dedans et il y avait plusieurs variantes de couleurs. Emma a choisi celui-ci puisque j'y suis allée avec elle. Et ceci a été gracieusement payé par ma mère, pour justement pour la rentrée d'Emma. Et elle a payé ça 1,69€. Enfin, je précise que c'est moi qui l'ai acheté, elle me l'a remboursé. Parce que ma mère ne peut pas se déplacer vraiment. Voilà. Une chose que je n'ai pas là, puisque Nat les utilise, c'est une paire de lunettes de soleil, puisque ben, les siennes, au retour de la mer, la journée où on est allé à la mer, je ne sais pas si vous l'aurez vu sur mes réseaux sociaux, ben, elles ont pété, mais comme ça. Il les portait, alors est-ce qu'elles étaient fendues et que du coup avait la chaleur, paf, mais alors elles ont pété d'un coup la monture, quoi. Donc du coup il a fallu que je les rachète. Et elles étaient à 2,59€, sachant qu'il y avait plusieurs variantes, il y a pour hommes et pour femmes aussi, et même je sais même pas s'il n'y a pas pour enfants. Par contre le prix doit être différent. Les pistolets, je vous ai pas dit, ce sont des 38 cm. Voilà. Ensuite, ça c'est Emma qui l'a trouvé, mais alors vraiment totalement par hasard.
dans le rayon jouet, tout ça. Donc c'est une balle anti-stress. Voilà, vous voyez, il y a plein de petites billes dedans. Voilà, elle est plutôt grosse. Assez résistante comparée à certaines que j'avais pu acheter justement à Action et qui avaient pété. Là, ça fait un moment qu'on la malaxe dans tous les sens. Et c'est vrai que c'est très très bien, très intéressant. Ça, voilà, quand on a besoin de quelque chose dans les mains, qu'on est stressé ou même juste pour se détendre, quoi, elle est vraiment très très bien. Et alors pour le prix, 99 centimes. On n'a trouvé que celle-ci parce que franchement j'en aurais pris peut-être une deuxième à ce prix-là. Donc on n'a pas eu le choix de la couleur blanche et orange. Voilà. Donc, alors au tout début, elle ça a tendance, vous savez, un peu à coller parce que c'est quand même du silicone. Et comme ben, il faisait chaud le jour où je l'ai acheté, elle est restée dans la voiture. Je pense qu'elle n'avait pas dû trop apprécier la chaleur. Voilà, voilà, donc 99 centimes. Ensuite, souvent je les prends là-bas, c'est pour les toilettes, hein, le moment glamour de la vidéo, bien évidemment. Donc, c'est 7 en 1 Active Blue Power. Donc on verra bien ce que ça fait, ça sent toujours bon, c'est toujours ça. Et ceci, le bloc cuvette, donc 7 en 1, je l'ai payé 83 centimes. Et ensuite, je vérifie, mais je pense que c'est la dernière chose, c'est ça. Je me suis repris un petit kit de faux ongles, puisque les autres, je sais pas, je vous la mettrai peut-être en photo. La dernière fois, j'avais acheté à Action, donc des faux ongles, mais ils étaient, vous savez, un dégradé de bleu. Et donc, je les ai portés, alors moi qui ne supporte pas, alors en les retaillant et tout ça, enfin en les retaillant, en les limant et tout ça, qui sont pas trop trop longs non plus, ça marche assez bien. Bon, sachant que si vous avez souvent les mains dans l'eau, quoi que ce soit, c'est pas non plus de la grande qualité. Donc, bon, mais des fois, vous en perdez un, vous êtes obligé de le recoller. Mais dans l'ensemble, ça fait, voilà, ça fait son petit effet. Donc, du coup, cette fois-ci, j'ai pris cela. Il n'y a pas un énorme choix, il y avait des roses Barbie, quoi. Or, c'est pas du tout mon style de mettre du rose Barbie. Ou si, quand voilà, je fais un déguisement, enfin voilà, un truc particulier, mais après, vraiment pour tous les jours, je veux quelque chose de plus discret. Et là, donc, saumonné avec un petit peu d'orange et de violet, c'était plutôt pas mal, j'ai trouvé. Et alors, pour le prix, à combien il est payé? Ah oui, 1,44. Et donc vous avez différentes variantes. Vous aviez donc les bleus, il y avait. Alors après vous avez des plus gros kits. Mais alors là c'était du zébré, du léopard, enfin des trucs un peu trop flashy pour moi là aussi. Comme je dis, moi je préfère rester discret parce que c'est le choix de chacun, hein, bien sûr. Voilà, voilà, donc je vous ferai une photo dans une autre vidéo quand je les aurai posées, puisque là, on va faire des choses, comme je vous ai dit, faire le transfert des deux pièces dans la semaine. Et donc, du coup, je pense que je vais éviter de les mettre maintenant, parce que sinon, je risque d'en péter un, donc ça sert à rien. Voilà, voilà, mais que dire, il n'y a pas plus, donc voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous passez de bonnes vacances. Si vous l'êtes, bien sûr, ou que vous allez partir bientôt en vacances, je vous le souhaite, que vous passiez de bonnes vacances. N'hésitez pas à partager et liker cette vidéo, à vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas encore le cas. C'est avec plaisir qu'on vous accueille parmi notre famille YouTube, même si sur ces vidéos-là, je suis toute seule. Après, avec les ouvertures de cartes Pokémon, je suis avec Miss Tinguette, la petite assistante. Voilà, voilà. Sinon, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications de nos dernières vidéos. Et sur ce, qu'est-ce que je peux vous dire? Passez une bonne journée, bonne soirée, bonne matinée, bonne nuit, bonne vacances, suivant à quelle heure vous regardez les vidéos. Et je vous fais d'énormes bisous. Bye bye!